jouer des européennes sur les réseaux sociaux, c'est aussi la spécialité des brouteurs. En Côte d'Ivoire, ils sont de plus en plus nombreux. Une histoire d'amour qui commence bien. Je finis d'être very, very important for me. I love you. Romance cam. Une arnaque, une arnaque, qui sont ces 90% de sites de rencontres sont des arnaques sentimentales. Bonjour messieurs, j'ai aujourd'hui une nouvelle qui est assez importante à vous annoncer. La plus grande chaîne de télévision en Russie, qui s'appelle NTV, a fait un film documentaire qui est complètement basé sur les investigations de notre portail anti-arnaque, de notre équipe, sur les vidéos, les investigations de notre qui sont publiées sur notre chaîne YouTube. Donc la chaîne de télévision NTV a pris toute cette information et a fait un documentaire qui a été montré en Russie dans le prime time, et donc des millions d'hommes et de femmes en Russie ont vu ce reportage, ce documentaire, et on va vous montrer certains extraits.
a fait cette vidéo qui parle de la vidéo du documentaire, c'est que les arnaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Les escrocs ne sont plus juste des photos volées quelque part. Très souvent, ce sont des personnes réelles, des femmes réelles qui sont juste rémunérées. Il existe de plus en plus de différents patterns d'arnaque. Et dans ce documentaire, on fournit toute cette information. Donc, si jamais vous êtes en contact avec une femme russe ukrainienne, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir de l'assistance. On va vous parler des différents patterns d'arnaque et vous allez comprendre si ça s'applique à votre situation. On pourrait faire vérifier l'identité d'une personne, d'un citoyen russe ou ukrainien. Bien sûr que si vous êtes déjà en échange, en correspondance avec les femmes qui sont sur le site ukraine.com, vous n'avez pas à le faire parce que bien sûr que ce sont toutes des femmes dont l'identité a été vérifiée et ce sont toutes ces femmes ont été interviewées par notre psychologue, donc nous sommes certains de leur motivation, de leur sincérité. Dans ce cas-là, oui, inutile à nous contacter. Mais si jamais vous avez contacté, rencontré une femme ou échangé de messages avec une femme sur un site ou une agence, n'hésitez pas à nous contacter. On va répondre à toutes vos questions pour dissiper vos hésitations ou au contraire. Voilà, donc je vous laisse découvrir les extraits du documentaire diffusé sur la chaîne Russe NTV. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Katia, je suis votre assistante sur le site ukraine.com. Et aujourd'hui, je veux vous présenter cette vidéo. On a fait ça spécialement parce que notre vidéo de notre chaîne YouTube ukraine.com a été prise sur la chaîne, la première chaîne de Russie, NTV. Donc, selon mon expérience, je peux dire que j'ai fait des enquêtes sur les sites arnaques et je peux dire que 80% de ces sites, malheureusement, sont des arnaques. Et maintenant, vous voyez la liste avec les titres, les prénoms de ces sites. Je peux dire que selon mon expérience, je communique avec des hommes qui viennent en Ukraine, de la France, de la Suisse, et la plupart d'eux sont arnaqués par des sites de rencontres. Par exemple, si maintenant vous communiquez avec une femme et vous voulez vérifier si elle existe, si vraiment elle est vivante ou non, écrivez-nous, on va vous aider, anti-arnaque.org va vous aider, donc n'hésitez pas à nous écrire et si vous voulez trouver votre âme sœur, votre amour, écrivez-nous, ukraine.com, notre agence va vous aider avec grand plaisir. Merci beaucoup et au revoir.